Bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je suis avec la team. Salut la team. Coucou. Yo. Bonjour. Yo. Oh, on vient de perdre quelqu'un. Ah si, non, non, on a perdu Q, on l'a récupéré. Abonnez-vous. Ce soir, nous jouons encore et toujours à Codenames. Et c'est super. La C'est parce revanche. que l'Exode a une quantité de sel tellement importante qu'il fait concurrence Bah, vas-y, à Guérande, quoi. L'exode voulait absolument allez-y, sa mettez une revanche, couche en donc plus, allez. on va la lui donner. L'Exode est cuit en croûte de sel actuellement. Ah bah allez-y, toujours en plus. Tu vas pas te tromper, toi. Je sens qu'on va pas jouer bien longtemps. Ok, c'est parti. Hop. Le jeu est là, sans plus tarder, parce que on n'est pas là pour enfiler des perles. Je Non, vais pas des perles. changer la musique. Sitôt. De quoi, sitôt? Je vois pas de quoi tu parles. Oh, je pensais que t'attendrais un peu, tu vois, laisser les gens s'habituer, tout ça, Et partir Oh les équipes au non. hasard. Ah! C'est parti. Non, ça marche Ah bah, pas. Buitoni et l'Exode, vous êtes ensemble, ça va pas le faire. Ça marche Ah pas. ouais, non. On n'est plus Ah, ensemble. voilà, là ça marche. Ouais. Ouais. Il traîne avec Orchida, quel bâtard! Eh mais arrêtez, je suis pas le game changer, hein, ça va, Allez, c'est bon. c'est valide. Putain, en plus, je suis avec les autres, mais non. Ah oui, d'ailleurs, ouais. Donc, Team Rouge, qui fait le Spy Master? Ouais, c'est encore nous qui qui a pas commençons. fait, qui a pas fait hier? J'ai pas fait hier. Eh bah, vas-y. Ferme le stream. Team Rouge qui veut faire Attention, Spy le Master. stream hack. Celui qui stream hack, je le. Hein. On est des gens honnêtes Sauf ici. si c'est quelqu'un de la Team Rouge. Évidemment. Pardon? Allez-y, Team Rouge. C'est mort. Et en team bleu, bah du coup, l'Exote. Moi qui vais, allez, allez, j'y vais. Allez. Ok. À chaque tour. Sommet. À chaque tour, je vais lancer un des 20. Si ça fait 20, je ferai un résultat au pif un moment. Non? Bah. Bienvenue dans mon Ouais, si, si, vas-y. Très Alors, attends, il faut que je regarde les mots parce que du coup j'ai oublié que c'était moi le Spy Master. Merde, chier, trop de Essaye de responsabilités. commencer par New York et roulette en même temps, mes trucs genre casino ou je sais pas. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est totalement nos mots, quoi. Évidemment. Votez tous pour l'équipe Lexot, je viens de miser 10 000 points de chaîne, donc la cote de l'équipe Ouais, Lexot pardon, est c'est à moi de absolument mettre un mot, insane. putain. Ouais, on t'attend encore une fois, hein. Comme Ça toujours. va, oui. Mais c'est pas Bah possible d'accord. sans ce Et pour spoil-là, la quoi. rediff, on précise Tu qu'évidemment, peux enfin, tirer le. je dis ça parce qu'ils m'ont appris que la feature existait genre 2 minutes avant le stream, mais on a pop-up le chat pour pouvoir gagner des points de chaîne sans faire du stream hack. Ouais, trop tard pour moi. Parce que c'est ce qu'elle a fait hier, du coup. Non, il a pas été Spy Master, comment voulez-vous que je fasse du stream hack? Non, non, rien, je dis ça comme ça. Mais juste pour... on est quand même sur du 1 contre 10 pour l'équipe Lexot là. Allez-y, hein, c'est le moment de Stonks. Hein. Oui, c'est parti. J'avoue que, sachant que 1 contre 10, sachant que j'ai misé 1 000, Moi j'ai va misé faire du bien. 10 000. Ben ouais. Du coup, on s'est méfié de toi, vu que t'as voté pour l'autre équipe. Bah, j'ai voté pour mon équipe. Mais moi J'ai aussi, j'ai voté voté pour pour mon l'équipe équipe. Buitoni. Bah, tu viens Moi, de dire j'ai l'équipe. voté bleu. Ouais, mais elle a dit voter l'équipe bleue parce qu'elle a mis énormément sur l'équipe rouge. Du coup, si les gens veulent gagner Du des points de coup, du chaîne, coup en fait, il faut qu'ils. l'équipe rouge a une cote d'enfer parce que, bah, genre, il y a 90% des points de chaîne, en fait, c'est moi et je les ai mis dans l'équipe Buitoni. Elle a Ah oui, du fait coup. all-in. Non, j'ai pas fait all-in, il me reste encore 61 500 points de chaîne. Oh putain! La grosse fidèle. Putain. C'est pas sympa de dire de parler du poids d'Orchida comme ça. Quoi? Il a dit que Ah oui, t'étais une il a grosse dit fidèle. putain, il a dit putain, il parle juste de mon travail, c'est bon, il y a rien de. Mais non! C'était pas la bonne personne, il y a quelqu'un qui a dit la grosse fidèle. C'est Alban qui a dit t'es une grosse fidèle. Et du coup, je dis c'est pas sympa de dire. Ah oui, non, moi j'ai cru que c'était pour le haut putain. Ah, moi aussi, ça m'a perturbé. Du coup. Et puis en plus, il est méfiant dans notre.
Rose ? Oui. Bah oui, parce que Rose dans Titanic, c'est un gros bout de viande, hein. Ah oui, oui, viande, c'est vrai. Une des parisiennes. Oui, oui, viande rose. Ok. Ouais. Après, bon, il y a quand même canard et chèvre derrière. Bah, vampire, elle aurait plus mis sang. Ouais, je sais pas. Je suis ok pour canard. Un corbeau, c'est de la viande aussi. Je suis ok pour canard. Zombie aussi dans Minecraft. Ouais. Voilà. Et maintenant. Let's go, c'est gagné! C'est parti! Ok. Ah merde! Putain! J'ai retiré mon casque. Eh ben. Ouais, non, rose ou chèvre. Parce que. C'est... En fait, j'ai mis chèvre par réflexe, mais j'ai jamais mangé de la viande de chèvre. Bah, moi non plus, justement. C'est pour ça que j'aurais plutôt été vers rose. Après, il y a zombie. Oui. C'est vrai qu'on est que deux. J'attends toujours qu'il y ait une troisième personne qui parle. Non, non, on est deux. Moi, je pense que chèvre, c'est pas bon. Et je pense que c'est soit rose, soit zombie. Et je serais même plutôt tiré vers zombie. Okay. Et au pire, si c'est faux, on pourra toujours faire rose lors d'un des coups suivants. Ça, et si c'est faux, on fera chèvre. Ou alors c'est une livre de viande. Ouais. Ah merde, désolé. Ah, chè. Voilà, on a perdu. Hey Butoni. Je rigole, on va se refaire au prochain tour. Butoni, un mot en 8. Allez, c'est parti. Devine en 8. Il te manque deux lettres. Et du coup, tu fais un mot de 8 lettres et en fait, chaque première lettre, c'est un mot. Ouais, compliqué lettre, étant donné que la plupart des mots commencent par des consonnes. Irlandais qui ont pas laisse-le, on dit pas irlandais, on dit gaélique. Et laisse-le réfléchir. Oh. Bon, même plus près que ça, je pense que en Bretagne, il y a quelques mots. Hein. Mais là, on n'est plus sur du gaélique, on est sur du breton. La même racine, non? Alors, Halloween. Heureusement que zombie est parti. Hein. Et corbeau. Ouais. Symbole de vampire. Vampire aussi éventuellement. Vampire c'est quasiment certain, je pense. Halloween. Souvent Halloween on sacrifie des chèvres. Oui. Bah, Belzébub. Hein. C'est vrai que je vois pas d'autres du coup. Bah on fait vampire en premier je pense. Ça se tente. Ouais. Ça c'est fait. Corbeau. On revérifie temps, sens, col, mine, non. Y'a rien. Hein. Je pense qu'il y a rien d'autre, hein. Non. Bah, attendez, carte. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un. C'est capillotracté, mais il y a quartier éventuellement, parce qu'on fait le tour du quartier pour les bonbons à Halloween. Ouais. Ça semble loin quand même. Mais ça semble plus loin que corbeau. Ouais. Mais en vrai. Moi, ça me parle. Ah, je sais pas. Je vois pas d'autre, hein, franchement. Bon, allez, ça se tente. On y va? En bas, hein. Ouais. Yes. Cool. Ok, good. Insane. Fini. Allez. Bah, on n'a pas d'autres indices, hein, donc on va pas y aller au pire. On pourrait, hein. Non, pas ça. Non, c'est mort. On va pas tirer une balle dans le pied non plus. J'ai investi 10 000 points de chaîne, c'est gentil, mais on y va pas au hasard. Bah, après, prends tes responsabilités, quoi. Non, vas-y. C'est mort. Déjà, on va pas streamhack, alors on rajoute pas la difficulté. Et on se rappelle la dernière partie où vous avez fait un pile ou face entre un mot rouge et un mot noir. Oui.
C'était chaud. Oh, putain, ça c'était chaud. Putain. C'était chaud, patate. Ouais, bon, il en tremble encore. Ah ouais. Je suis rien que d'y penser, tu vois. Ah, oh, le trauma. Ah ouais. Cette nuit, il a pas réussi à dormir cette nuit. Super, j'ai pas trigger, tu sais, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Il a eu du PTSD. Ouais. On dit pas des PTSD, on dit des micro-SD. Ouais. Oula. Caro. Voilà, ce les cartes. Les jeux de cartes. Ah, ouais. Mais Mercure, ça se trouve, il a des motifs à carreaux. Hein. Sur son kilt, ouais. Ouais. Moi, je vois New York aussi. L'agencement de la ville de New York qui est très carré, qui pourrait ressembler à des carreaux. Ah, carreau en 4 en plus, putain, je viens de réaliser. Après, j'aimerais bien jardin ou bûche, parce que tu les vends jardin à travers une vitre. Ouais, mais... Ouais. Je suis moins convaincu. Je pense que tu peux mettre juge, parce qu'il faut te tenir à carreau dans les... Je sens pas ce que j'allais dire, trop fort. Bien joué. Let's go. Bon, je pense qu'on peut valider kilt. Dans les tunnels, on met des fenêtres, hein, et c'est des carreaux, du coup. On met pas de fenêtres dans les tunnels. Je suis pas dans votre équipe, faut pas m'écouter. Si, écoutez-la. Écoutez-la. J'ai envie de valider Las Vegas. C'est peut-être un peu aller chercher trop loin, mais... Vas-y, vas-y. Bien joué. Buitoni, prépare-toi. Pas besoin, en fait, le mot noir. Rose, est-ce qu'on peut dire que le carreau c'est rose? C'est rouge normalement, mais. Ouais, pour rester dans le thème de Las Vegas, c'est le jeu de cartes. Bof, non. On peut aussi se dire, on s'arrête là et on garde en tête qu'il y en a deux sur carreau. On a toujours le viande. Ah oui, on a toujours le viande. Ah. Tu veux tester Rose pour le viande? Bah, je sais pas. Je me dis pourquoi pas après tous ces sujets qu'on a hésité tout à l'heure. Allez, vas-y. Bien joué. Alors par contre, je sais pas du tout s'il est pour carreau ou pour viande. J'hésite quand même entre les deux. Mais bon. On a moi, je pense qu'il faut passer. Moi, je pense qu'il faut passer et on sait qu'on a un carreau... qui reste sur le carreau. Je passe ? Ouais, vas-y. Mais quelle équipe incroyable ! Ouais. Pour l'instant. Non, quelle équipe incroyable. Pour l'instant. Non ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Moi je dis non. À propos de Caro, j'ai mon chat qui vient de se manger la fenêtre. Tout va très bien. Il est dans le thème. Et pensez que c'était ouvert. Non, elle a vu une bouche et ah oui. Elle a voulu l'attraper. Très classique. Pandora, tu es débile. Mais t'es belle. C'est un chat. T'es une peluche. C'est un chat. Petite chatte. J'ai essayé d'éviter de féminiser le monde se fait l'idée, justement, mais... Bah oui, mais sauf qu'en l'occurrence, c'est ma chatte, hein, donc... Orchida, s'il te plaît, restons dans le jeu. Mais j'ai rien, dites pas, c'est ma chatte, qu'est-ce que tu veux que je te dise Pour rester dans le mot divin. Trichelieu sort de ce corps. Alors,
Il n'y a pas de colle divine. Et pourquoi non. Mercure C'est le nom d'un dieu. Mercure, c'est un dieu. Ah oui, si, oui, oui. Et bien, non, bien vu. Bien vu, bien vu. Mais pas du tout. Le guide divin. Ouais. Le juge divin. Aussi. Non. Ah, quoi que... bah, non, c'est juge, pas jugement. Ouais, enfin, il fait avec ce qu'il a, je pense. Pour mettre Mercure, ça paraît bien. Alors, c'est peut-être un peu... Ouais. Ah, je sais pas. Non, c'est... Enfin... Ah si, j'ai une idée. Ouais, c'est ce que j'avais dit, bah couronne, parce que c'est les rois de droit divin. Mmh. Mais est-ce ouais, que... Ah, je sais pas. On valide Mercure ? Ouais, Mercure, c'est quasiment sûr. Allez, let's go. Il y a aussi les livres divins, Bible, Coran, Torah, tout ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça peut être ça. Il nous en reste deux. Jardin, pour le jardin d'Éden. Ah ouais. Ouais. Un vrai jardin, j'y crois. Ça me semble éloigné, mais c'est une possibilité, ouais. Bah, même sans parler religion, jardin d'Éden, c'est une légende qui est relativement connue. Ça me met, enfin, ça, moi, ça me choquerait pas, tu vois. Ça pourrait. Je dirais 25% de chance pour que ça soit réalisé, ça. Je pense que guide, on peut le valider, on est quasiment ouais. sûr. Ooh. Yes, let's go. Donc, ouais, mais là plus qu'un et on a quatre opportunités, enfin quatre possibilités. Je propose qu'on passe, vu qu'on n'est pas très sûr. Ouais. Ah, couronne, en vrai, ça me paraît. Ah, je sais pas. Ah, ça me paraît éloigné pour moi. Mais couronne. Non, mais c'est que maintenant route. Que j'ai pensé, si tu veux, vraiment au roi de droit divin, si tu veux, ça me. Ouais. Ouais. Ah, ça me semble quand même assez éloigné. Hein. Je pense que couronne est plus probable que jardin et livre. Ah, pour moi, le livre est plus, plus probable. Juge peut-être un peu moins, par contre. Juge pour moi, non, j'y crois pas du tout. Ouais, c'est un peu dur. Dur à justifier. Oh, je tenterais bien la couronne, quand même. Au pire, tu cliques sur la main et tu assumes. J'assume. Let's go. Oh putain, let's go. Bien joué. Bien joué. On s'arrête là, hein. On s'arrête là. On s'arrête là, hein. GG team, bravo, on va passer en 5. Allez. Do it. Orchida qui lit dans les pensées de Monsieur Bitoni, c'est impressionnant. C'est parce qu'on on est connecté. À streamer en fait. Mais tu... Je viens de passer à rien de faire le mot bifomètre. J'ai fait 19 ans. Hein. Ah mais tu lances un dé à chaque tour ? Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit. Je croyais que tu lançais un dé au début de la partie. Ah non, non, non. Tellement pas d'accord avec ça. Ah là là. Sous le ton chaotique. À votre avis, si je ferme l'onglet du stream pour prouver que je stream hack pas, ça me laisse le chat tout vert ? Bonsoir. Bonsoir. Salut Camari. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? C'est de mon côté, meneur de mouvement du piano, donc faites pas attention. Ouais, du coup, on en était où ? Bah, c'est à eux. Bah, j'attends, on attend l'exode. Je réfléchis. Oui, bah, réfléchis. Je vais devoir attraper. Mais c'est pas juste parce qu'on commence toujours en premier, on doit en faire deviner plus que vous. Bah oui, parce que tu commences en premier. Du coup, vous avez un tour d'avance, tu vois. Ouais, par exemple, on est moins nombreux. 4 mots depuis le début. Mais c'est vrai qu'on est moins bons aussi. À la prochaine partie, il y a Camari qui va vous rejoindre. Ouais. Du coup. Bah, alors, Alexotte, pourtant, elle t'a encouragé tout à l'heure. Ça te fait pas plaisir qu'elle vienne dans ton équipe. Oui, c'est ça, elle a trahi Buitoni pour à ton profil, Alexotte, et t'es pas content qu'elle vienne. Ah bah voilà, franchement. Cache ta joie. Dire que il y a de fortes chances que je ne sois pas là pour très longtemps. Voilà. Donc réfléchis plus vite qu'on a une nouvelle personne et que j'ai une chance de gagner des points de chaîne. Bon, j'ai fini de réfléchir. Perfect. Ah. Non mais l'exote c'est un contemplatif hein, de base. Hein. Voilà, on peut pas lui en vouloir. Hein. Secte. Je suis toujours avec mon sacrifice de chèvre.
Ah okay. Oh putain, ça... ouais, ça se consulte même pas en plus quoi. On était d'accord tous les deux, on était d'accord. Et en plus c'était probablement le plus évident, je pense que si ça c'était le mot noir... Il y a la secte des buveurs de lait, hein. C'est vrai. C'est bien connu. Il y a plein de sectes à New York. Les sectes passent devant un juge. Il y a souvent des livres. Sans blague, les livres entre guillemets sacrés. Les sectes, elles se cachent. Vous parlez de notre Seigneur et Maître Raptor Jésus. Les sectes, elles se cachent dans les mines, par exemple, aussi. Ou dans les tunnels. Ouais, les deux. Et je pense que si c'est une secte, ils ont genre des bûches pour se chauffer un peu aussi. Ouais. Après, les sectes, elles font des tours de quartier hein, pour faire du porte-à-porte. Après, le fait, c'est qu'en vrai, le sacrifice de chèvre n'est pas si déconnant. Ah ouais, vraiment ? Ah putain. En fait, c'est que les autres, je vois pas trop, à part éventuellement penser, parce que les sectes... Ah oui, putain, oui, penser, carrément. Carrément. Ils prennent cher, c'est gagné. Mais... Seul que je vois en fait. J'assume. Est-ce qu'on fait lait pour tenter la colonne en bleu? Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas un puissance 5, hein, t'es au courant. Bingo. Easter egg du jeu, en fait, tu gagnes si tu fais une colonne. Ouais, moi, faut le tenter, hein. Faut le tenter, que ce soit le mot noir. Est-ce que j'assume le chèvre pour toi? Oh là là! Comment t'as dit ça, on aurait dit... Oui, c'était le Utskushi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu ferais ça pour moi, Guillaume Osano? On attend les fanfics. Guillaume Kuhn! Ah, ça va tellement pas le faire. Ah, Stoulotone, Sama! Allez! Ah putain! Il reste un de carreau. Maintenant, ça sert à peu de vider. Il y a toujours l'idée de New York. Ouais, j'ai toujours ça en tête, mais. Après, il y a jardin aussi. D'après tout, tu peux. Des parcelles de terrain sont en général plutôt carrées. En général. Ouais. Après, s'il nous a fait penser à. S'il nous a fait deviner Las Vegas avec Caro, est-ce que du coup, roulette par rebond Ah oui. Oh putain. Est-ce qu'on prend le risque que Butoni risque de faire trois mots? Butoni, on croit en toi. Ou est-ce qu'on... Pas moi. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, on peut pas gagner là, maintenant. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai. En fait, est-ce qu'on tente de lui faciliter la tâche? On va gagner au prochain tour, nous, hein. Et du coup, mettre la pression à Butoni pour faire un bon 3. Obligatoirement. Ou est-ce qu'on reste là, et dans ce cas-là, c'est lui de se démerder pour trouver un lien entre les deux derniers mots, en espérant que lui ne dépasse son monde. On se bête. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de mieux comme stratégie. Trouver le mot noir. C'est vrai. Je pense que c'est sens. Ouais. Pareil, hein, si tu trouves le mot noir alors que t'avais deviné tous les mots du tour, et ben tu gagnes. Ah ouais, ouais. Ah, putain, trop bien. C'est une règle secrète. Bah, en fait, c'est comme au billard. En fait, le mot noir, il faut le trouver en dernier, tu vois. C'est ça. J'ai passé. Butoni, on croit en toi. On n'est pas la pression, hein. On veut faire 3-3-3-1. Pas la pression, on veut gagner. Fais-moi confiance, Butoni. Même si c'est capillotracté, je trouverai le truc. Gwendal, ça s'est joué à rien parce que je l'ai cliqué sur roulette. Ah ouais. Oh là là. Oh, quelle synchronisation, c'est fou. Quel suspense. 3-2. Après, faut pas oublier que les bleus, ils ont un tour d'avance. Même s'ils ont un mot en plus à trouver, ils ont deviné une fois de plus que nous. Oui.
compte sur toi, Orchida. Oh, oh bordel. Mon panier. Oh, dis donc. Bon, jardin avec Eden, qu'on avait, le jardin Eden qu'on avait avant, c'est évident. Il aurait pas mis campagne ici, mais pas jardin. Le lait des vaches. Vaches, tu vois, c'est l'agriculture, en général, c'est la campagne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est campagnard? On a les tunnels. Ça se retrouve, rarement dans les champs. Les bûches. C'est une nature. Non, je pense pas. Justement, si ça avait été nature, il aurait dit nature, pas campagnard. Donc je pense pas qu'il y ait bûches et jardin. Sauf que s'il avait dit nature, tu vois, il aurait pas eu lait. Il aurait pas eu lait, ouais. Bah, c'est naturel, je trouve. Ouais. Parce que le reste, entre roulette, livre et lait, je sais lequel je choisis pour nature. Bon, le lait, on est d'accord dessus, manifestement. Oui. Ouais. Allez. Yes. Yes. Pas, yeah. Bon. Jardin aussi, c'est relativement naturel. Jardin, c'est évident. Et jardin. Jardin. Et je suis une... Oui. Let's go, Orchida. Okay. Alors, on les passe tous un par un. Juge. Il n'y a pas de juge à la campagne. Non. et à la campagne, on ne juge pas les gens. Non. Tunnel. Oh, beaucoup, mais... Tunnel. Ouais. Non. Il y a des taupes à la campagne. Sens. Non, il n'y a pas de sens campagnard qui existe. New York, c'est pas la campagne. Non, la campagne. Livre, non. Les gens à la campagne, ils lisent pas. Parce que là, c'est campagnard. Hein. Donc, un campagnard, il lit pas. Roulette. La campagnard, il lit pas. Oh, roulette. Non, pas roulette. Roulette de chariot. Non. Quartier, non. Moi, je pense que les taupes, elles creusent des tunnels. Hein. Mine, j'ai encore un doute. Mais c'est vrai qu'entre mine et bûche. C'est comme tunnel, hein. Pour moi les deux sont aussi probables. Hein. Ah non, mais alors si vraiment il a choisi un truc capillotracté, vraiment, mais genre hyper capillotracté pour le dernier mot, il y a la chasse à glu qui se pratique en campagne, c'est quand on met de la colle sur les arbres pour que les oiseaux ils restent collés dessus. C'est loin, c'est vachement loin ça. Bah ouais, mais j'ai dit que même si c'était capillotracté, je trouverais, et il a commencé le tour en mode je compte sur toi, Orchida, donc peut-être c'est super loin, quoi. Voilà. Ça semble comme vraiment loin. Je trouve que Bush est beaucoup plus proche, quoi. J'ai crash, quoi. Ah bah, Q est parti. Il va pouvoir rejoindre avec le lien. Ok. On attend Q. Qui les partage. Mais en vrai, mine. Non, en vrai, mine, c'est encore plus capillaire. Enfin, ça, je le sens moins que. Ouais. Mais mine, tu as bonne mine à la compagnie. Moi. Enlève tunnel, Alban. En vrai, tunnel pour campagnard. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu capillotracté. Je suis d'accord avec toi. Moi, moi, tunnel est encore plus capillotracté que col, tu vois. Ouais, pour moi ils sont au même niveau que mine. Mine, tunnel, c'est à peu près le même truc. Mm. Oh, bûche, pas mal. Q, mais il est plus connecté sur Discord? Si. Je sais pas s'il nous entend. T'es là, Q? On t'entend pas, Q? Non, je crache. Ah, bon, crache. Mais je te donne la liste des mots restants, donne-nous ton avis. Juge, tunnel, roulette, livre, New York, sens, quartier, mine, col et bûche. Notre indice, c'est campagnard. À ton avis? Moi, je pense que c'est tunnel. Que c'est? Tunnel. Je rappelle qu'il n'est pas dans ton équipe, Orchida. Hein? Mais c'est pas Kyo qui vient parler? Non, c'est Gwendal. Mais si. Ah, mais non, mais j'ai pas l'ouvert les discours, moi, là-dessus. Je suis désolé, si nous la game là-dessus, je m'en serais plus, en vrai. Si je savais... Et Kiwi, c'est... J'ai plus les cartes. Je vois plus rien, j'entends à peine ce que vous dites. C'est terrible. On va faire tous les deux, je pense. Bah, le board, il parle de lui-même. Hein, en soi, bon, il n'y a plus que Bush hein, qui est sélectionné. C'est parti. Je prends la responsabilité, si tu veux. Ah bah. Non, L'Exode, tu te rends pas compte à quel point tu m'as facilité la tâche quand t'as enlevé chèvre? Parce que je voulais mettre ça et j'étais en mode, mais si je le mets, ils vont prendre chef direct si je mets la campagne, plus, tu vois. Je voulais pas enlever chef, je voulais qu'ils prennent livre. Ils étaient là, ah la sec, les chèvres. Et du coup, le dernier mot de viande, c'était bien livre. Tu
qui m'a tellement facilité la tâche, l'exote en vrai. Ah, c'était chèvre, ok. Le fait qu'ils aient enlevé zombie au premier tour, ça m'a tellement aidé pour Halloween. Mais oui, oui forcément. Ah, oui. Par contre, tunnel, c'était le mot noir. Oui, ah ouais. Ouais, donc, après, c'est moi qu'on accuse de stream hack. Hein, J'avoue, mais là, je t'écoute. Je te banne. J'avoue, c'est chaud. Mais je te banne. Allez, hop, c'est terminé. Très bien. Voilà. Allez, on en fait une dernière. Une dernière ? Pourquoi une dernière ? Comment c'est une dernière ? Bah, une dernière, parce que vu le temps que ça prend. Ah, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien être Spymaster sur cette partie. Si tu veux. Bah oui. Camari pour joindre. Ah, Camari. Tu t'en es où là ça... Tu craches toujours. Camari, mets-toi en Spymaster en face de moi, ce sera les filles font deviner au mec. Cool. Allez, let's go. Alors, je vais juste expliquer un peu. C'est, on donne un mot qui a un lien avec les mots qui sont présents, c'est ça ? Pas tu vas voir. Donc en tant que Spymaster, toi, ce que tu vas voir sur le board, tu vas voir donc toutes les cartes comme là il y avait sur le stream. Comme il y avait Buitoni. Avec les couleurs, c'est ça. Et en fait, il faut, voilà, c'est que tu as les couleurs. Le but, c'est de faire deviner les cartes de la couleur de ton équipe. Donc là, en l'occurrence, tu vas faire deviner les cartes bleues. Il faut que tu fasses attention à, quand tu donnes des indices, à ce que ça ne correspond pas à des mots qui sont pas dans ton équipe ou qui sont neutres, c'est-à-dire les mots blancs. Il faut surtout pas que tu donnes d'indices qui peuvent orienter vers le mot noir parce que c'est défaite instant. Il faut que tu donnes un chiffre, en fait. C'est-à-dire que tu donnes un indice qui est en un mot. Et tu donnes en fait le nombre de mots qui sont liés. Ouais, ça c'est bon. Petit tips, quand tu tapes ton mot, si tu cliques ensuite sur les cartes que tu veux faire deviner, il va automatiquement remplir le nombre de mots. Ou alors tu peux simplement cliquer et sélectionner le chiffre que tu veux faire deviner. Parce que des fois tu veux pouvoir faire deviner peut-être plus de mots que ce que tu penses vraiment, s'ils ont raté des mots avant ou des choses comme ça, mais bon là c'est des stratégies un peu plus dangereuses. Je vais faire basique hein, déjà, voilà. Q, t'en es où ? Ça va. Est-ce qu'il nous entend, Q ? Allez, le gambling ! Le gambling ! Q ne nous entend pas. Bon. Eh ben, on va commencer à tout. Eh ben, tant pis, au pire, il nous rejoindra en cours de route. Ouais. Vous aurez un peu de musique de mon côté. Alors. Laissez-moi un peu de temps, là on est sur le premier tour, faut le temps que j'aille. Ouais, bien sûr, vas-y. Lis tous les mots. Regarde ce que tu peux faire. Premier tour, c'est toujours le plus long. On n'a pas mis le sablier. On pourrait. Mais c'est vrai que c'est stressant. Ah, j'avais pas vu qu'il avait dit de relancer sans lui, effectivement. Et oui, il vient de le dire à l'instant. Ouais. À l'instant, c'est pour ça que j'avais pas vu. En tout cas, moi je dirais juste une chose, que pour l'instant, les supporters de la team bleue ne gagnent toujours pas beaucoup de points de chaîne. Hein. Et par contre, ce que t'as dit côté rouge, ils ont dû faire le plein de points, non ? Bah... Non, mais ils attendaient le quota féminin qui arrive du côté bleu, c'est pour ouais, ça. Bien sûr. Côté non, rouge, avec toi côté dans l'équipe, en il fait, n'y a plus aucune raison que l'équipe bleue perde. Et du coup, j'avais une toute petite cote, donc j'ai dû gagner 100 points. Quoi. Elle n'ose plus parler, Orguide. Elle n'ose plus prédire le mauvais côté. Elle garde 7 points. Non, mais là, j'ai mis 10 000 encore. Ouais. Bah, il y a 15 000 contre 13 003. Mais finalement, on va t'appeler l'oligarque du stream. Hein. Ça, c'est vrai, j'ai oublié de mettre l'overlay Discord sur le stream pour qu'on puisse voir qui parle. C'est vrai que c'est pratique, ça. Ça, c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique, ça. C'est vrai que. C'est pratique. C'est vrai que c'est un peu pratique, ça. En vrai, je me dis, tu vois, c'est pratique. En fait, c'est pratique. C'est pas faux. Pistolet. Pistolet. Gardez la paix, on est pistolet.
Ouais, attention, ne sautons pas sur... Et moi je dis à la cartouche, ça me paraît assez évident. Si elle a mis pistolet et que c'est pas cartouche, je la kick. La Bretagne, la Bretagne. On arrête ici, hein, parce que bon, c'est pas la peine. Tu vas quand même pas kicker ta première source de revenus sur cette chaîne. Ah ouais, merde, c'est vrai. Bon, bah c'est... elle a le droit de faire autant d'erreurs qu'elle veut. On dit pas qu'il y a un corps sur un revolver? J'ai un doute. Il y a le chien du revolver. Ah, le chien, ouais. Et voilà. La détente. Là, les loups pour, Le chien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'effectivement, sinon, gardien, position, uniforme, grade. Manchot. Un manchot, parce qu'il peut pas pouvoir avoir. Ouais, bien sûr. On a beaucoup de pistolets en Bretagne. Oui, la Bretagne, c'est une forme de pistolet en plus. C'est bien connu. Bon, cartouche, je pense qu'on valide cartouche, ça me semble assez... Enfin, voilà, c'est pas ça, voilà. Le gardien, pourquoi pas, effectivement, à vue de tous les autres mots, je me dis que le pistolet, c'est un truc pour te protéger, donc c'est... C'est voilà. Y a le bandit manchot aussi, là. Bah ouais. Mais c'est sûr, c'est ça, en fait. Peut-être uniforme, l'uniforme du policier. Peut-être. Ouais... Mais si c'est dans ce cas-là, elle aurait mis policier, en fait. Après, il y aurait eu gardien qui aurait pu être mis avec policier, effectivement. Mais cartouche, ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire, elle a voulu faire devenir cartouche avec autre chose, tu vois. Parce que... Et avec pistolet, parce que bon... Ouais, c'est pas évident, hein. Parce que le truc, c'est que l'uniforme... En fait, l'uniforme, oui, mais je veux dire, c'est pas directement, effectivement, lié au pistolet. Alors, ça peut être... Ça peut être le lien. Pistolet... Je pense que le gardien est le plus proche, parce que le gardien a paix, les policiers... Bah, et surtout, effectivement, un pistolet peut te servir à te protéger, et donc, en quelque sorte, c'est peut avoir le lien avec le gardien, le point... Non, mais... en anglais, point blank, tu vois, un bout portant, mais c'est très très... Là, c'est très carrément tiré par les cheveux. Non, pardon, je voulais pas cliquer. Voilà, le miscoque... corps... Bretagne, c'est sûr. Ouais, bah, y a des gangsters en Bretagne, attends. Vous connaissez le Front de Libération de la Bretagne? Bah ouais. Le FLD. Gare, mur, plat, la Bretagne. Bah ouais, pour moi ça se joue entre gardien et uniforme. Les Bretagnes. L'uniforme, je pense qu'il y aurait peut-être eu quelque chose de plus évident pour l'uniforme. J'aurais plutôt tendance à dire gardien. Bon bah on partirait là-dessus, oui. Hein. Allez. C'est parti. Yes. Allez. Ma caméra, il va faire un mot en 5, vous allez rien comprendre. En 8. En 8. Si tu fais pas un mot en 8, Camari, je te banne. En vrai, je te demande à voir. Hein. Non, mais c'est quoi ces menaces là? J'arrive en tant qu'invité, voilà, toutes mes mères tranquilles, et puis on me. Là, on si balance. Tu fais un mot en 8, mes mères tranquilles. Non, mais je vois hein, comment qu'on est traité ici. Hein. Toutes mes mères tranquilles. Bon, alors, est-ce que. Ça te pose un problème qu'elle soit toutes mes mères tranquilles? Sur cette chaîne, Camari, c'est du sexisme ordinaire. Non, bien sûr, hein. C'est la marque de fabrique de la chaîne. Tout à fait. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais roux? Ça s'est arrivé, ouais. Ouais. Ça a dû m'arriver. Ah, est-ce que je tente ça? Oui. Fais confiance à tes coéquipiers. Ouais. Au moins du 4. On est un peu exigeant. Ouais. Attends, parce qu'il faut quand même qu'on réussisse tout ça. Tu mets 8 et tu mets pas de mots. Littéralement, c'est-à-dire t'écris pas de mots, quoi. C'est... Bon, on va partir sur cette idée-là de base. Ok. On fait comment là? Tu tapes ton mot, tu choisis les chiffres et ensuite tu fais, je sais plus, valider ou je sais pas quoi, donner l'indice ou un truc comme ça. Mère. Okay. Mur. Mère 2. Il y a deux lettres en commun. Non, c'est mère 2. Et t'as mis dans le mot en test 2. Alors, le blizzard, c'est... On peut aider aussi d'une certaine manière. Non. Mais en fait, non, c'est que t'avais un petit carré en fait où tu pouvais sélectionner les chiffres. Parce que là, du coup, en fait, oui, dans les règles du jeu,
comme t'as pas sélectionné de nombre, mais que tu l'as mis dans ton mot directement, ils peuvent sélectionner autant de mots qu'ils veulent. Ah, c'est pour faire un mot 8. C'est très bien, c'est parce qu'on voulait faire un mot 8. Et bah, par honnêteté intellectuelle, les mecs, comptez que vous avez que 3 essais, parce que c'est le nombre plus 1. Non, non, on va en faire 8, t'inquiète pas. Oh, y a plus de chances qu'ils tombent sur le mot noir. Bretagne et voile, on est d'accord? Oui, non. Hein? Bretagne et voile, on est tous d'accord? Oui. Non. Allons-y. Non, moi je suis pas d'accord. Voilà. GG. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, maintenant les 6 autres. Oh. J'ai hésité un moment, mais il y avait position aussi. Parce qu'en mer, la position c'est important. Ouais, mais c'était pas ça. Oui. En mer, il y a aussi des gens qui ont des uniformes, ça s'appelle des marins. Ah, c'est ça. Puis il y a les champions aussi pour les marins aussi. Puis sur un bateau, on boit de la soupe. Et on mange des caméléons. Faut pas qu'il y ait trop de bruit. Donc pendant la Renaissance, on allait aussi en mer. Fret en deux. Fret Bon, évidemment, ça c'est direct. Ah, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Omar. Omar et fret. Éventuellement le Carrefour. Même moi, j'aurais pas osé la faire celle-là. Et l'autre, ouais, le Carrefour éventuellement. Le poste. Poste de fret, oui, oui, oui aussi. Parce que c'est fret, transport, oui. Voilà. La poste, c'est voilà. C'est intéressant. Bon, gare en valide, hein, je pense. Gare en valide, ouais. Allez. Yes. Let's go. Remise, coque, nouveau, intérêt, machin. En vrai, pour moi, c'est carrefour ou poste, mais je pense que moi, je partirais plus sur poste. Oui, moi aussi. Après, le reste, ils sont pas trop mal. Y a rien qui me parle trop là à première vue, donc on valide poste. Valide poste. Allez, validons poste. Oh, ouais. On est une équipe de ouf. Bah, team rouge, hein. Team rouge. Bien sûr. Alors, il va falloir faire plus de mots la prochaine fois. Okay. Oui, bah, allez, je fais ce que je peux, hein. Ouais, je sais. Non, mais. Pas trop de risques. On a bonne team tous les trois. Hier, on a pas mal gagné aussi. Ouais. C'est vrai. Le dénominateur commun, c'est nous trois en fait. Bah oui, c'est nous trois. Non, mais ça, c'est parce que Orchidée, elle a stream hacké. Oui, oui. Comment on a fait du coup toutes les parties d'hier? Elle a stream avec les autres gens. Alors qu'ils streamaient pas. Y a personne d'autre qui stream. Du coup, c'est juste du hack, c'est pas du stream, je suis désolé. C'est pas pareil. Je rappelle quand même qu'à la dernière partie, j'ai quand même fait des théories fumeuses sur des mots qui étaient absolument pas à nous, hein, donc paye la gueule du streamac. T'as encore mis entre parenthèses. Oui, mais c'est pas grave. Du coup, ils peuvent vraiment sélectionner autant de mots qu'ils veulent. Ah, vous du coup, ça change vraiment en fait, Camari, à ce niveau-là. Ah, d'accord, bon. Donc là encore les gars, 4 sélections. Sachant que comme je t'ai dit, tu peux cliquer sur les cartes que tu veux qu'ils devinent et ça te met le chiffre automatiquement. L'exode, pourquoi souvent? Ah je sais pas, tu fais les courses. En fait je me suis dit c'est tous les trucs que tu peux acheter dans les courses. La soupe, un plat. Un coq bien sûr. Bah oui un coq. Un chanteur aussi. Un bon poulet fermier, hein, un campagnard, c'est bien connu. Voilà. Les supermarchés sont vivants. On donne pas d'indices supplémentaires. Ah ouais. Camari fait des commentaires sur ses propres mots. Spy Master qui parle, c'est le ban. Hein. Camari, attention. C'est quoi les trois mots? Camari, je vais crier à la misogynie, moi, attention. Moi. Ah bah, tu viens de reparler, c'est le ban. Les Spy Master, ils parlent pas quand les gens ils sont en train de deviner. C'est bah tout. Oui, bah ça marche, oui. Ça marche. Alors, est-ce que Carrefour. Qui est contre Carrefour? Bah voilà, j'ai même pas expliqué, mais bien. On s'en bat les couilles de ce que je raconte, de toute façon. Mais t'as aucun leadership, l'exo. Bah ouais, je vois ça. Pourquoi pas plat? Bah, je préférerais soupe que plat. Tu préfères soupe à plat? Ouais. Je préfère les soupes à plat. Quand la soupe est à plat... C'est plus facile dans des assiettes creuses, mais soupe à plat, c'est... C'est ça. Ouais. Et sous le ton, la soupe... Sous le ton, il parle pas la soupe. Il aime pas la soupe. Et pourquoi parce que lui, quand il va faire ses courses, il prend pas de soupe. Ah oui, position. Pas composition. Ah ouais, les courses. Ouais, mais là, c'est courses avec un S. Oui, mais les courses, c'est... Bah, tu peux en faire plusieurs, des courses aussi. Hein. Ok, je sais pas, j'aime pas celui-là, moi. Mais ok. J'ai très envie de mettre remise. Remise, ouais, j'hésite aussi.
Il y a des gens qui font carrière dans les courses aussi, automobiles. Voilà, soupe. Oh, ok. J'ai osé. Il est fou. Les autres, je suis pas convaincu encore. Alors, vu le lien entre les deux mots, je pense que... J'ai déjà vu des manchots faire la course dans un reportage sur Arte. Oui. Si on aurait Carrefour, soupe... Il y a bien des culs et remises. Ou Carrefour, soupe et plat. Ouais, je pense un manchot cul-de-jatte, t'imagines. Pour moi, plat et remise, en fait, ils sont au même niveau. Bah, c'est ça. Même si je pense un petit peu plus vers... Un peu plus vers remise. Bah, pire, on tente remise, si c'est pas remise, on met plat. À la prochaine fois. Bah, non, on pourra pas. Ah oui, la prochaine fois, oui. Allez. Eh bah, c'était pas ça. Yes. Ce sera plat. Ou alors c'était position. C'est la partie qui tombe à plat pour l'équipe bleue, bien sûr. Gne, gne, gne. Et on est en avance, hein. On est quand même en avance. Tais-toi. Quasiment certain qu'il y a des allez. Qui m'explosent à la course, mais tellement. Platine cool. En 3. Platine. Les chanteurs, ils ont des disques de platine. Ouais, je suis d'accord. Là, ça commence par platine, mais sauf que eux, ils voulaient le deviner. C'est vrai que c'est pas trop. Ça pourrait passer avec course. Qu'est-ce qu'on a d'autre le coq de platine, bien sûr. Alors, attends. Hop. Le manchot de platine. Crâne de platine, punaise, je vois pas. Je sais que dans les MLM, tu peux avoir le niveau platine, donc ça peut être grade éventuellement, mais faut qu'elle connaisse les MLM quoi, pour cette référence. C'est pas gagné. Ouais, après, platine aussi, de toute façon, dans les jeux vidéo, c'est souvent aussi un rang, effectivement, un genre de grade que tu as ouais. Quand tu fais des ranked. Donc c'est ça. Je rappelle que je suis développeuse de jeux vidéo, les enfants. Oui, oui, mais pas d'indice. On vient de dire de l'indice. Il y a un partout. Il y a un partout. Non, mais en vrai, surtout que moi, je le savais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, je sais qu'elle a pu pouvoir penser à ça. Donc, c'est pas l'indice supplémentaire qu'elle donne. Mais effectivement, attention, la prochaine fois, c'est le ban. Tu dis ça après. Super. Il y a un partout avec Camari, elle avait donné un... Non, mais il n'y a pas d'excuse, nous on a le droit. Voilà. Non mais la partie est invalidée, on a gagné. Non mais je vous banne tous, arrêtez. Moi mon excuse c'est que c'est la première fois que je joue à Codenames. Voilà. Alors que toi t'as quand même gagné des tournois dessus quoi. Mais vous, j'ai fou que t'en as gagné des tournois. Les tournois non officiels, hein, je rappelle. Deux tournois quand même. En fait, la question c'est, est-ce qu'il existe un tournoi officiel de Codenames? Moi j'ai gagné combien de parties, Orchida? Aucune. Oui, bah non, mais ça, si tu veux, c'est pas. Laisse tout gagner, tu triches pas, Alexandre, c'est juste que t'es mauvais, c'est tout. C'est pas une raison. Moi, j'ai le droit de faire des erreurs, ok. Est-ce qu'on tente chanteur déjà, Alban? Ouais, chanteur, je pense c'est qu'on le peut premier le qu'on a vu. Ouais. Chanteur platine, ouais. Machin, voilà, disque ouais. De platine, ça me semble pas mal. Oui, ouais. Le grade, effectivement, j'aime bien. Ouais, super. Et non, maintenant. Ah, t'y vas là. Ouais, moi, je m'arrête pas. Alors, si tu as une carrière en lien avec le grade, tu vois, si tu as un certain niveau, tu as une certaine position par rapport au ranking, tu vois, par rapport au classement, donc ça peut être position dans le classement ah, ou oui, carrière. Si on lit ça à grade, effectivement, ouais. Après, ouais, c'est toujours le risque de faire en fait en fonction d'un mot qu'on a déjà deviné, c'est de oui. Voilà, c'est le risque que. Ouais. Parce que sinon, je vais pas le. Je suis d'accord. Le corps, un corps platine, je sais pas, c'est un corps métallique. Ouais, éventuellement, ouais. Genre, et puis quoi. Bon, après, sinon, j'avais fait la blague du plat platine tout à l'heure, mais c'est vrai que sinon, si on réfléchit par rapport aux courses qu'ils ont ratées, il y a toujours le poulet, hein, le coq. Hein, que ça aurait pu être. Je dirais que ça n'a pas marché. Parce que tu vois, si c'était le coq aux courses, ça pourrait être plat pour platine, tu vois. Mais ce serait plus un espèce de jeu de mots, voilà. Sinon, position, carrière, pour moi, carrière, c'est encore plus loin du grade, tu vois, je pense pas. Après, comme c'était une histoire de jeux vidéo, il y a Blizzard, tu platines les jeux, tu vois, les jeux Blizzard. Ah oui, quand tu platines les jeux, effectivement. Ouais, tu vois, il y a ce truc-là, bon, c'est encore un peu plus tiré par les cheveux, mais encore une fois, si on reste dans les rêves jeux vidéo, Blizzard, ça peut le faire. Effectivement, putain, il y a plein de possibilités. Ouais, c'est ça, on trouve beaucoup de choses. Pour moi, il y aurait donc Blizzard, c'est une possibilité. Plat, bon, c'est vraiment si c'est le jeu de mots, mais ce serait un peu, ça serait compliqué. Et puis position, éventuellement.
Il n'y a pas des jeux où tu peux obtenir des uniformes, tu vois, de différentes couleurs en fonction de... Là, c'est encore plus loin, je pense. Enfin, c'est plus loin, ouais. Par les cheveux, je pense que là, c'est plus... Ou alors, si vraiment c'était ça, elle avait une haute estime de notre... Les gens. C'est ça. Bon. Le prix était inconnu, l'époque de la Renaissance. Platine. Je dirais plus position de carrière, je pense que c'est plus proche. Ce qui est vraiment terrible, c'est que j'ai envie de faire plein de vannes, mais ça va être considéré comme des indices, donc je peux pas faire mes vannes et je suis triste. Déjà, il y a un indice en plus. Non, j'ai... Moi, ça me va bien. Ouais, c'est bête. Mais ouais, je pense que s'il y en a entre position et carrière, s'il y en a un des deux, je pense que c'est position. Ouais, j'ai la position, ouais. Du coup, j'enlève carré. En vrai, ouais, c'est vrai que... Est-ce qu'on reste du coup sur le côté ranking ou est-ce qu'on reste sur le côté jeu vidéo et... Honnêtement, les deux sont possibles. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on guesse pas ou est-ce qu'on fait au hasard? On lance un dé ou un truc comme ça? Un pile ou face entre manchot et coq. Charles, tu sens très bien connaître Orchida, fais confiance, choisis. Bah, je la connais sans doute effectivement mieux que toi, mais bon, je sais pas là si ça m'aide beaucoup. Ou peut-être que justement ça m'influence. Bah vas-y, Buitoni, fais acte de foi. Vas-y, tu vas tourner quoi comme carte hein? On se connaît bien ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Mais la pression, du coup, si je me rate, ça veut dire que je la connais pas bien en fait. Enfin, mon pote. Passé, hein. On fait au jet de dés. Alors, je lance une caisse. Allez, on dit je lance un D4, 1 ou 2 c'est position, 3 ou 4 c'est Blizzard. Ok. Allez, vas-y. Allez, c'est Blizzard. Ok, vas-y. Yes! Mais quoi? Putain! Allez! J'y croyais zéro! Ça n'a aucun sens. Bien joué. Et c'était effectivement en référence à LOL, du coup. Putain. Mais LOL c'est Riot, c'est pas Blizzard? Oui, enfin bref, je me suis dit platine, rang dans les t'as jeux. T'as su que Blizzard, je devinerais. GG, on se connaît tellement bien. On se connaît tellement bien. Juste, j'ai hâte de voir à la fin de la partie si position. Profit. Oh, si position c'était le mot noir, j'avoue, on a eu chaud. Hein. Ça veut dire que ça fait deux fois que je joue le destin de la game. Oula, ça va vite là. Ouais, j'avoue, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je tiens à dire que c'est le seul moment. Le temps de s'en remettre du tour d'avant. Attends. Laissez-moi parler. Vas-y. C'est le seul moment de la game où Camarie a compris comment marchaient les chiffres. Et c'est le seul moment où on avait besoin qu'elle ne sache pas comment marcher les chiffres. Mais quel plaisir d'être invité chez vous, vraiment. Mais quel plaisir. Comme quoi, tu verras. Camarie, estime-toi heureuse. Ils n'ont pas trouvé le mot noir T1, donc la tradition n'est pas respectée. Camarie, non, mais c'est parce que je suis là. Faut savoir les mener, c'est petit. En fait, c'est juste que là on a perdu parce que prochain tour pour faire un 1 en 2. Bah oui, en fait, on a perdu. Après, ça peut être un 1 en 2 très compliqué aussi. Hein. Oui. On a déjà vu des mots en 2 échouer. Hein. Bon, alors, profit. L'équipe bleue sait très bien ce que c'est que d'échouer sur un mot en 2. Hein. Ah, justement, c'est pour ça. Allez, qu'est-ce que tu as ? Allez, c'était pas ça. Allez. C'était... Oh, bah on a bien c'était fait. C'était vraiment coq. La camarade, elle a fait une blague, et c'était vraiment le mot. Mais oui, bah, coq soupe, c'est ce que tu trouves en faisant tes courses. Non, mais la partie n'est pas terminée, hein. D'accord. Bon, bah, cette position, effectivement, on peut le remettre. Et puis, point. Mais t'es bordel. Pour moi, c'est. Tu vois, t'es à la fin du classement. Mais ouais, c'est mais point, score, point. Enfin, si c'est pas point, là, c'est compliqué quand même. Parce que le reste, effectivement, la queue, oui, position, queue, voilà, mais sauf que si c'était position et queue, elle aurait pas mis. J'annule la prédiction. Ouais, on valide position. Alors attends, je vérifie que le reste. Non, le reste, tiens. Ouais, c'est ça. Oh. C'est forcément position et point. Yes. Position, c'est bon. C'était pas point. Oh mon dieu. Le suspense est insoutenable. J'ai annulé la prédiction. T'as annulé la prédiction, non, t'es sérieux? Il y a eu trop d'erreurs. C'est scandaleux. Il y a eu trop de blabla. Mais t'es sérieux? T'as vraiment annulé la prédiction? Bon, attendez, laissez-moi réfléchir attentivement. Non, mais quand même. T'as vraiment annulé la prédiction, Alexandre?
Mais il y avait eu trop d'erreurs. On nous a comment donné la solution. Elle nous a dit que c'était alors là, on a coq, ah, il suffit de mettre l'autre mot et c'est bon. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, j'ai oublié ce... Non, parce que là, tu peux mettre... Ouais. Tu mets n'importe quoi pour l'autre mot et on clique sur coq et sur l'autre et c'est bon, d'accord. Et si c'est pas coq et que c'est le mot noir, c'est tous brain. Et là, c'est... Non, non, mais c'est bien comme stratégie. Hein. Allez, go. Reptile. Ouais. Non, putain, oui. Non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'as cliqué sur le club? Non, mais non. Oh, on est chaud. On est trop chaud. Putain, heureusement qu'on a pas choisi la queue avec toi. Mais pourquoi? Et j'avais pas vu, le point pour les scores. J'ai pensé au mur des scores, mais j'ai pas pensé au. Ah ouais. En plus, j'ai pensé effectivement au moment mur. Je me suis dit, c'est pour moi, c'était après que. Enfin, que éventuellement, tu vois, mais voilà, comme on avait dit. J'aurais eu que et position, clairement. Non, je pouvais pas faire. Stream, il aurait été ban, tu vois. Oh, mais par contre, en fait, que moi, franchement, j'y ai cru quand t'as donné course en 3, je me dis, oh putain, ils vont se dire qu'on fait la queue à la caisse, je suis refaite. Ouais. Et vous avez pas pensé, pensé aussi, en plus à ce moment-là. Et après, en faisant course, j'ai pensé, bah, coq sportif aussi avec les courses marathoniennes et tout ça. Mais du coup, l'exo, t'as arnaqué tous les parieurs du stream. Non, j'ai pas arnaqué, mais elle nous a donné la solution. Oui, mais vous avez quand même perdu, donc ça veut dire qu'on a gagné fair. Perdu, mais... non. On a gagné, on a gagné. C'était unfair parce que vous aviez la solution. Mais alors, là, par contre, en clair, clairement, notre victoire, elle est absolument pas altérée parce que avec les deux mots qui vous restent. Vous aviez coq et caméléon, c'était clairement facile en fait de trouver un. De, non, mais en vrai, reptile quoi. Reptile queue, j'ai pas compris, vous êtes allé trop vite sur la queue, c'est et un pourquoi truc que, de fou. Pourquoi queue? Pourquoi queue? Alors c'était le tour des choses pour moi. Mais t'aurais. Il y avait caméléon. Mais c'était évident. Je suis désolé. Mais t'aurais mis camouflage, ils avaient dit qu'ils mettaient coq quoi qu'il arrive, tu mettais camouflage et puis c'est d'accord, bon. D'accord, mais. C'était une belle partie. Non, mais c'était fait là, En vrai, il y a eu des trucs qui étaient pas faciles. Les mots étaient pas évidents. Phylogénétiquement, les reptiles et les coqs, ça marche, avec le caméléon, mais j'avais complètement. Non, mais ça va, l'autre, la zoologiste là, c'est bon. Non, mais je prends toute la responsabilité, je suis con, j'ai oublié le mot caméléon et j'ai cliqué sans réfléchir. J'ai excessivement honte et je suis... Avant, j'ai complètement oublié ça, en fait. Et l'exote est parti. Quoi? Quoi, l'exote est parti? Mais l'exote, viens, on fait la belle. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais non, mais pardon, je suis désolé. En vrai, je trouve que les mots étaient vraiment pas faciles. Enfin, les gars, c'était pas évident, évident, quoi. C'est pas de ma faute, c'est Charles qui m'a payé. Trouver, hein. C'est pas grave, on gagne la belle et c'est bon. Voilà. Allez, une petite dernière. J'ai vraiment galéré à trouver des mots. Je suis désolé. Voilà, non, j'ai été humilié deux jours d'affilée. Je suis désolé. Oh les gars, ça valait bien le coup que je vienne, franchement. Bah ouais, heureusement que t'es venu. C'est pour me troll à la dernière coup, mais vraiment. Allez, on en fait une. Une petite dernière. On en fait une sur l'exode, c'est parti. On en fait une, allez. Alors, on fait une, allez, reviens. Et je me mets en spymaster. Je me mets en spymaster. Voilà. Ok, et d'accord. Et les spymasters ne disent rien en dehors de leurs mots, et comme ça, on pourra pas dire que c'est. T'as déjà fait spymaster, ouais. Avec toi. J'ai déjà fait. Chez nous, qui. Du coup, c'est Alban qui ferait, du coup. On fait un mot à 8. Si tu veux, Alban. Non, je comme t'es pas l'avoir fait, comme ça on passe. Et contrairement à toi, Alban, moi j'étais sereine sur votre pile ou face parce que j'étais en mode de toute façon, c'est deux mots rouges. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le premier. Bah, par contre, le dernier entre tu vois, queue et. Quand t'as Alban, il a dû cocher queue, t'as dû. Ouais, là j'étais en mode. Mais pourquoi? Pourquoi? Du classement. Vas-y, Gwendal. Tu vas tous nous sauver. En vrai, Gwendal, si tu wins, c'est la Redemption Story, la meilleure. C'est le cliffhanger, il faudra faire un troisième la stream de Codenames pour. Ne foutez pas la pression, s'il vous plaît. Ah non, mais je veux dire, si vous perdez, c'est dans la continuité, ça, y'a pas de soucis. Par contre, si vous gagnez, c'est exceptionnel. Je te déteste. Mais c'est de qualité rare. Tu seras le Messi.
Le... Ouais, ouais, alors calmez-vous. Il y a même de la musique. Tu fais une prédit, l'exote, ou pas? Vas-y, fais ta prédit. Ah, ok. Moi, j'ai plus de thunes. Ah, moi, j'en ai encore plein. C'est pas vrai, t'as annulé la prédit. T'as, mais t'as annulé, en plus, on en a toujours au moins 15 000. Ah, bah oui, vas-y, je la remets, alors. Moi, je remets mes... Allez, je monte à 15 000 pour m'aligner avec toi, l'exote. Le cours des vins. Tu lances la prédit, putain. Je vais la lancer. Ok, non, je croyais que tu le faisais du coup. Non, j'ai plus les, j'ai plus l'onglet. Eh ben, j'ai été mensongère quand j'ai marqué des streamers de qualité sur votre bannière. Oh non, mais c'est quoi ça? C'est chiant, hein. Y'a des bonnes qui vont se perdre, hein. Genre, y'a des favoritismes maintenant, mais je note. C'est bon, Lexa, tu vois, je me suis aligné sur, sur ton montant. Ah voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on avait perdu la fois d'avant. C'était l'équilibre du karmique. Allez-y, votez pour l'équipe de l'Exode que je stonks encore plus. J'ai all-in sur moi, voilà. Pour dire à quel point j'ai très confiance. Bah, en même temps, ça aurait pas été très fair de voter pour l'autre équipe du coup, parce que là t'as clairement moyen de tanker la game, hein. Comme t'es le Stagmaster. J'avoue que... Bon, après, est-ce que tu serais prêt à tanker la game juste pour des points de chaîne? Évidemment. Bien sûr, question. Je veux dire, c'est des points de chaîne de la chaîne French Fools, quoi, ça vaut tout l'or du monde. Bah, oui. Franchement, le Bitcoin, il a qu'à bien se tenir. Bien sûr, hein, le Bitcoin est en dessous, hein, c'est clair. Moi, je dirais même les NFT. Le cours du... faut passer l'image des dévins en NFT. Allez, ça se fait. Le cours du dévin a explosé ces derniers temps. Le cours du dévin. à tout moment, je mets plein de points de chaîne en jeu et je ruine l'économie de la chaîne. L'inflation du dévin. Le dévinflation. Oh putain. Oh là là. Oh, même moi j'aurais pas osé la faire celle-là. Même tout le temps il aurait pas osé. Même lui. C'est dire. Bah, tu m'excuseras, mais même si j'ai beaucoup de respect pour les jeux de mots de Sultan, je pense avoir un niveau encore pire que lui en jeu de mots de merde. Tu veux encore gagner une compétition, c'est ça? Non, mais. Elle est compétitive, Orphine. Elle est compétitive, hein. Pas vraiment, non, mais par contre, dans mon entreprise, ils ont mis une tirelire à jeu de mots de merde à cause de moi dans l'open space. Et je dois aller mettre une pièce à chaque fois que je, fais un jeu de mots de merde. Il y a beaucoup d'argent dans cette tirelire. Si jamais le studio fait faillite, ils ont de quoi se remettre sur pied. Non, le studio fait pas faillite, je viens de passer associé, donc c'est mort. Hein. Non, mais j'ai dit si jamais. Je veux dire, si jamais vous avez des réserves, quoi, grâce oui, bah, à ce... Oui, bah, donc c'est mon argent, donc je le garde. Bon, là, c'est à qui, là? C'est C'est moi. C'est Gwendal qui choisit le mot, là. J'ai pas vu ça. C'est le premier tour, il faut laisser... Le premier tour, en vrai, c'est super dur, parce que tu... Je suis pas sûr que le Spy Master qui a perdu au tour d'avant a des leçons à donner, hein. Oui, mais moi c'est ma première fois, hein, comme on dit. Oui, bah justement. J'apprends de mes erreurs, voilà. Et quelle première fois? Du coup, la première des choses à apprendre, ça serait de justement pas se précipiter lors du premier tour. Hey, Camari, ta première fois c'est vraiment... a été ratée à cause d'une queue noire. Ah là là, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux m'auto-ban? Attends, c'est la monétisation qui s'envole par la fenêtre là. Alors attendez. Quelle horreur! Attends, Stolton, tu disais quoi? T'as dit quoi, Stolton? C'est le banameur qui arrive. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai validé la méduse. Y'a Ben de Twitch qui est sur le chat là. Aïe! Même moi là j'assume pas celle-là, tu vois. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Yeah, insane. Oh, déjà? Allez, Alban. Non mais la team bleue, ils ont toujours des mots plus faciles. Tu vas fermer ta gueule, oui. On va commencer tranquille. Tu mets utérus sur ma secrétaire et colle direct. Et béton. Oh là là. Tout là. After c'est pas bon, ça. Ah, Voltaire et Beethoven.
Ça, c'est un bon afterwork. Afterwork. Bah, il y a le pub. Ouais, bah, clairement, oui. Le pub. Le pub et l'ambulance, bien sûr, qui vient te chercher après l'afterwork. Non, ça, c'est mort. Bah, en vrai, la secrétaire, ça fait un petit afterwork. Bah, le truc, oui, c'est dans le, par rapport au lien du travail. Enfin, non, mais par rapport au travail et au milieu du travail, je pense que la secrétaire, c'est pas. Parce que par rapport au reste, les autres mots. Tu vois, on va pas à la rivière en afterwork. On n'est pas blanc en afterwork. Ah bon. Le sable. Bah après le blanc, sable ça peut être le vin blanc, mais bon, c'est un peu voilà, ouais, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Non mais moi je suis d'accord. Secrétaire et pub. C'est très français. Non, c'est pas français du tout. Mais ouais. Secrétaire et pub pour moi. Aller au théâtre en afterwork. Ouais, c'est chaud là quand même. Voltaire et Beethoven. Parce que s'il avait voulu faire genre pub et théâtre, afterwork c'est un peu. Là c'est. Ouais. Enfin, je connais peu d'afterwork où on va au théâtre quand même. Allez, on prend le pub, ça c'est sûr. Ouais. Allez. Et pour moi, en vrai, la secrétaire c'est le seul autre mot que je vois. Hein. La petite secrétaire d'afterwork. Bah, je te laisse la sélectionner. Que... Allez, c'est parti. Allez. Nickel. Quoi si c'est en secrétaire, Camari, première fois que noir afterwork. Ouais, non, mais il y a eu beaucoup de choses d'un coup là. C'est... Ne clippez pas, s'il vous plaît. La chaîne Twitch va être bannie. Hein, c'est... Ah, putain, mais oui, j'ai pas pensé à clipper. Mais je suis trop. Oh, mince alors. Oh, il y aura quelqu'un qui le fera. Qu'est-ce que c'est dommage. Bah, parce que les NASA, ça fait trop longtemps que c'est passé, donc c'est plus clippable. Et les NASA, en fait, il est arrivé uniquement parce qu'il est dans le salon avec moi et qu'il m'a entendu. En fait, il entend ce que je dis, mais pas vous. D'accord. Donc, du coup, pas forcément. Hein, quand ça parle de moi avec des conneries, franchement, ça arrive direct. Hein. Ah, là, je vous jure. Hein. Vas-y Gwendal, à moi en 6. Ça peut pas être clippé à partir du replay. C'est oui, possible. On pourra isoler ça dans le replay. Ouais. Oui, voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Ça serait con de moi. Enfin, la musique est énorme derrière moi. Là. Ça met de l'intensité dans le moment. Ouais, parce qu'en plus, le truc c'est que ça se mélange avec la musique que moi j'ai mis. Il y a aussi du piano, tu vois. Du coup, ça fait une espèce de cacophonie générale. C'est incroyable. Mais qui a dit que tous les jeux de musique ne se mélangent pas? Donc en fait, pour le prochain mot, Beethoven, c'est ça? Ouais, c'est ça. On attend l'équipe bleue comme d'hab. Ouais, bah oui. Là, on est plus T1, hein, c'est bon. Hein. Gne, gne. Là aussi, il y a des traditions. Je perds, c'est terrible. Comme les membres Exode, de l'équipe bleue. Si ça continue comme ça, on va te renommer Guérande. Hein, Lumière. En Guérande. Non, le ciel. Ouais. Les membres de l'équipe bleue sont des lumières, bien sûr. Alors. Ou pas. J'aurais tendance à dire ça, moi. Théâtre. Bah, déconnant. Pourquoi du théâtre? Parce que tu mets en lumière les acteurs sur la scène. C'est-à-dire qu'il y aurait eu Voltaire Théâtre, il aurait mis lumière. Lumière pour voilà, Voltaire est un écrivain. Après. Il a pas écrit une pièce de théâtre. Enfin, pas que je sache. Après, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre surtout? Ah, tu mets Voltaire avec quelque chose. Je crois que Beethoven c'était aussi le nom d'un philosophe des Lumières. Ouais, César ouais, aussi, hein, César. Les écrits de César. Michel Blanc aussi d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Et puis le théâtre, ça se lit. Hein. Michel Blanc. Mais par contre, personnellement, français. Parce que la plupart des épisodes. Il n'y a pas papillon de lumière. Ah, mais je pense que lumière, on peut aussi le voir en sens d'une lumière en général. Littéral. Il y aurait la lumière bleue. S'il aurait eu français Voltaire, je pense qu'il n'aurait pas mis une lumière. Manger des champignons, ça fait voir plein de lumière. Et ça fait des lumières aussi. Les espions, ils ont des petites lumières qui clignotent aussi, comme ça, c'est comme... Oui. Bah non, non, parce que sinon, on les voit... Bah oui, bah regarde, dans Splinter Cell, il a bien trois grosses loupiottes sur la tronche, on le voit jamais, hein. Oui, bah, mauvais chara-design. Non, c'est juste toi qui comprends pas le métier d'espion, c'est tout. Lumière blanche, hein. Ou les lumières d'ambulance. Mais ambulance Voltaire, ça aurait été bizarre de mettre. Dans tes cas. Ouais, non, pas après, bon, c'est Gwendal, hein, faut pas trop lui en vouloir, il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut.
Je t'emmerde, hein. Français ou blanc, là? C'est l'un des deux. Ah, je vais pas répondre. Non, toi non. Et pendant le siècle des Lumières, il y avait la politique du gros bâton aux États-Unis. Camarade, t'en penses quoi? Français ou blanc? On s'est concerté là, sur Lumière. Alors attendez. Oui. Ah, ambulant, qui peut-être? Ils viennent de on vient de l'enlever. Désolé, non, mais il y a une certaine personne, Orchida, qui me pop des messages que j'essaye de suivre attentivement. Lenasa, t'arrêtes de déranger Cabaret pendant qu'elle joue. Continue, Lenasa, continue. Non, mais tu interfères dans notre espionnage. Yes, alors tu arrêtes. GG, la team bleue. Blanc. Ah, bah la team bleue s'est trompée. GG la team bleue. Ben voilà, il pensait que Michel Blanc c'était un épisode des Lumières, voilà. Allez, c'est parti. On va tenter. Rome, César, empereur. Ouais, ça sera trop facile ça. Même cavalier. Même col. Bah, Même muguet. Si. Parce que. Alors. Que, comment dire, lorsque Hannibal a voulu attaquer Rome, il s'est fait repousser dans les cols des Alpes. Ouais, non. Tu sais, sur les. Je crois que sur les. Est-ce qu'il y avait des. Je crois qu'il y a des tuiles sur les toits des maisons. Ouais. À Rome. Gaulois, César, empereur français. Tiens, on donne des tips à allemand, mais si ça se trouve, c'est pas du tout les mots, tu vois. Donc, bon. Oui, bah, je fais ce que je peux. Si ça se trouve, c'est le mot bleu et le mot noir. C'est ça. Ouais, bois. Bois. Alors, il y a le lit qui peut être fait en bois. Bâton. Le bâton, oui, bah oui, comment j'ai pas bâton, pu ne pas avoir le bâton, voilà. Bien sûr. Le bâton, ça semble assez évident. Bâton, le bâton, il est garanti. Allez, hop. Bien sûr. Voilà. Parce qu'après, en vrai, sur les autres, bon, les avions en bois, ça vole moyen. Enfin, c'est... Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Mais bon. Et une rivière, ça, c'est de l'eau, ça se boit. Mais oui, c'est ça. Ouais. Alors après, bâton de rivière, je pense qu'il y aurait eu plus évident, mais. Mais ouais, pourquoi pas. Les charpentes du toit, c'est ouais, en bois. Ouais, je pensais au tuiles, mais du fil, du coup, c'est pas exactement. La scène de théâtre, c'est en bois. Après, tu sais, le cadre du lit, il est en bois, hein, donc moi, je pense que le lit. Enfin, tu vois, si on part sur des trucs comme ça, je pense qu'entre théâtre, tuiles et lit, le lit pour moi est plus proche. Hein. Rivière, non. Sable, non. Boîte-oven. Bague. Ah, j'ai une bague en bois, moi perso, mais ouais, c'est relativement mais c'est... peu courant. Ouais, c'est pas évident. Français, non. Lit, peut-être. Champion, non. César, non. Empereur, non. Théâtre, éventuellement. Mais bof, ouais. Cavalier, cavalier en bois, cheval de bois, à la rigueur, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment. C'est loin. Ouais. C'est très loin, c'est lointain. C'est à l'horizon, comme ça. Col, bah, non. Disons que pour cavalier et bâton, tu vois, j'aurais mis cravache, hein. Oui, c'est clair, voilà, il y avait clairement plus évident. Col, avion, okay. Beethoven, ouais, les touches d'un piano, un piano, c'est fait en bois, mais enfin, pas déconner. Ouais, c'est... Tuiles, espions, non, mais t'as raison, hein, le plus évident, c'est le lit. Hein. Bon, allez, on met le lit. Allez, nickel. Yes. GG. On raconte ça va falloir step up le nombre de mots là parce que sinon on va prendre du retard. Alors j'ai un message Gwendal, tu peux mettre un mot de plus par rapport à celui qu'on n'a pas deviné avant. Ça on aura une chance de deviner sur. Mais vous avez déjà un mot de plus, c'est-à-dire que s'il met deux, vous pouvez guess 3. Ouais mais là, il faudrait faire guess 4. Un mot de plus et on peut guess 4, comme ça on en fait un au hasard. Non, je rigole. Non mais il met un mot en 5 et puis c'est fini. Et voilà, mais un mot en 5. Ça doit être certainement si simple. Mm. La preuve, à chaque fois, l'exot il gagne quand il est Spy Master parce qu'il fait trouve des. Pour lui, c'est trop simple quoi. Ah non, c'est vrai, excuse-moi, c'est. Il perd à chaque fois. J'ai entendu du sarcasme. Je suis Jean-Michel Sarcasme. J'ai un filtre, j'entends pas comment tu parles, Mitoni.
Ça s'appelle le mute Discord en fait, c'est pas un film. Ah non, je voulais qu'on parle de ton augmentation sur Twitch. Ouais, là j'ai entendu. Là. Ah oui, bah parce que du coup je voulais t'en parler parce qu'en fait il n'y en aura pas. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. En fait, si tu veux, il faudrait appliquer un coefficient multiplicateur à tes parts sur la chaîne. Oh wait, 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. C'est ça. J'ai toujours pas entendu. On appelle ça le déni. Pas le déni, ouais. Allez, un petit mot à la Gwendal, histoire qu'on avance. Là. Ne lui mettez pas la pression, il fait marcher son gros cerveau. C'est le temps que ça chauffe. Exactement. C'est un cerveau diesel. tu m'as volé ma blague, mais oui, c'est ça. Cerveau diesel. Oh bah ça sera le prochain titre de la VOD où on fera des énigmes exotiques. Gros cerveau diesel. Parce que c'est gros cerveau édition cerveau diesel. Ouais, ouais. J'avoue que vos titres me font rire à défaut de ouais. Le dernier c'était Potato Brain édition et je pense que le prochain ce sera cerveau diesel. Ouais. C'est une catastrophe, je sais pas si vous avez vu le dernier live, c'était avec des énigmes, c'était horrible. Absolument. Faut pas le regarder, hein. Si vous l'avez pas vu, ne le regardez pas. Bah en vrai, si, regardez si vous êtes un peu sadomaso, quoi, genre si vous aimez souffrir. Oh, oui. Je sais pas quoi mettre. Ah là là, vas-y, je te donne des mots. Tu... Si t'as César qui avait l'école, et bah tu mets C. Je vais pas faire ça. Et normalement, les monolettres, y'a pas le droit. Les monolettres, et bah tu mets C. Oui, puis y a et puis y'a champion. Ardoise. Je crois que Beethoven, quand il allait au bar, il avait toujours une grosse ardoise, hein, ce qu'il payait jamais. Ouais. Donc, ça doit être ça. Dans les avions aussi, ouais, je crois qu'il y a des avions en ardoise. Et puis, les ardoises, c'est noir, hein, et comme les espions, ils s'habillent en noir. Les liens de plus en plus alambiqués. Oui, surtout venant de l'équipe adverse en fait. Bah écoute, nous on essaie de meubler pendant que vous galérez à gagner quoi. Ça, bah, justement, on j'aimerais le bien stream. Expliquer. Vas-y. Au théâtre, il y a Pénétration qui dit monter sur les ardoises. Oh. Bien monter sur scène. Oh, je n'y crois pas. Alors, parce que ça m'écorche vraiment trop les oreilles, c'est monter sur les planches. Ouais, c'est les planches, hein, je crois. Oui, c'est complètement les planches. Je suis désolé parce que là, c'était vraiment. Non, mais c'est parce que. Alors, dans ce cas-là, il y a deux expressions qui sont télescopées dans ma tête. Et il y a l'expression avec ardoise. Je n'ai pas payé son ardoise. Ça ne me dit rien. Alors, une expression avec ardoise et théâtre, en vrai, moi perso, je vois pas. Mais ça se trouve, je vous oriente vers une mauvaise piste, mais. Ouais, non, c'est monter sur les planches, pas sur les ardoises. Après, on a toujours lumière. On peut mettre français. Français Voltaire. Voilà, j'y croyais pas, mais maintenant. Ardoise est un mot français. Oui, comme tous les mots de ce. Voilà, c'était ça. Bon, voilà. Bon. Alors, pourquoi sable ardoise? Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'ardoise me fait penser du sable, mais c'est bizarre. Parce que c'est un caillou. Non, rivière aussi. Y'a pas de la. C'est pas dans les rivières qu'il y a de l'ardoise? C'est de l'argile. Non, genre. Ah, c'est de l'argile. Je ferme ma grande gueule. Oui. Vraiment, l'exote là, si tu veux, entre monter sur les ardoises. Alors, je sais même pas où on trouve des ardoises. Dans des carrières, de mines, des trucs. Je dis ça, effectivement, je ne sais pas non plus. Une bague en ardoise, c'est chelou. C'est effectivement dans des carrières. Champion d'ardoise. Je connais pas ce sport. Césardoise. Est-ce qu'on peut le ban? Quand on dit champion d'ardoise, c'est pas qu'on a gagné un marathon? Champion d'ardoise? Mais personne ne dit ça. Non, mais c'est pas grave. Je ferai plus de blagues. Sans les spammers, on n'a pas le droit de blagues, sinon la prochaine c'est ban. 4 ardoises. D'accord. Chevalier ardoise. Et avoir une ambulance, ça coûte cher, hein, donc du coup t'as une ardoise auprès de la sécu. Hein. Non mais c'était sable, voilà, arrêtez de nous casser les couilles. Allez Alban, là faut que tu fasses en 4. Hein. Impossible. Bah sinon c'est loose. Hein. J'ai ces mots devant moi, je peux vous dire impossible. Alors, on a dit ça la fois d'avant et puis finalement.
Mais impossible en 4 et on devine. Ne fais pas ça. Allez, je tente. Ouais, attention, j'ai peur. Y'a plus rien à perdre. Oh, c'est beau. Alors, travail. Alors, cavalier, c'est un travail. Ouais. Okay. Espion, ambulance. Empereur, c'est un travail. Ouais. Ah si. Si tu fais carrière dans la politique, tu deviens empereur. Je sais pas. C'est pas forcément le premier auquel j'aurais pensé, mais oui, pourquoi pas. Ambulance, je pense pas. En fait, à part ça. Sinon, ça veut dire que avion et théâtre. Bah avion, je pensais aussi. Tu peux être un champion au travail. Beethoven, il travaille. Bah plus maintenant, je crois qu'il est à la retraite. Maintenant, il travaille plus, je crois. En vrai, espion, j'ai pas vu son dernier album. Hein. Il touche encore la SACEM. Espion, c'est obligé. Ouais. Yes. Allez. Ensuite. Empereur, pourquoi pas en vrai. Empereur, ça me plus j'y pense et plus ça me séduit. Allez. C'était pas et ça. Merde. Allez. Et merde. Let's go. J'ai aucune idée de faire comment les deux. Prochain tour, il va mettre travail en 3. Fais en 1. C'est pas grave, comme ça. Et on en a encore 3 à trouver. Hein, donc... Je pense que je vais vous quitter dans pas longtemps, du coup. Hein. C'est pas grave, on va gagner. Je fais vite. Ouais, okay. Ça risque. Il va trouver Gwendal. Fais en 1, laisse-le suspense. C'est pas comme si t'allais empêcher. Fais en 1 et on choisit au hasard la dernière. Non, j'allais faire une remarque méchante. Non, pas au hasard, pas au hasard. Attends, j'essaie. Ouais. Ah là, c'est dur. Ah, c'est très très dur. Titre. J'aime quand c'est dur. Mais elle a pas évidente en plus cette game là. Cette Game Boy. Qui aime... Voilà, on y revient. La chaîne pas inclusif. Voilà, French Foos, bienvenue. Comment ça? C'est pas inclusif. Bah tout de suite Game Boy, pourquoi Boy? C'est la marque. Écoute, c'est pas une marque déjà. Va te plaindre à Nintendo, hein, c'est que si tu veux. C'est quand même une marque. Non, c'est pas une marque, c'est un produit. Oui, mais c'est une marque déposée du produit. Gna 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 gna. Donc c'est une marque. Moi j'ai pas le droit d'appeler mon produit Game Boy. Non. Bah parce que c'est une marque. Non. Gna gna gna. De toute façon, c'est du rétro gaming maintenant, Game Boy. Hein. Et que les anciens qui jouent avec ça. C'est vrai. Rétro Game Boy. Ah ouais. Moi, j'ai tout. Anno. Il y a son retemple en 3. Monsieur Frodon. Il a mis le mot en 3 après. Si, il s'est coupé. J'y vais, je suis désolé, je suis obligé de couper en plein game. Salut, Camari. C'est pas grave. Salut. Ton esprit Camari, restera avec nous. Des bisous, bisous. Bisous. C'est non, mais c'est bon, il a donné en 1, passez la main. Hein. Gwendal, c'était voulu le en 1 ? Oui. Bah, mais posez pas de questions, on passe Spy Master. C'était un misclick ou pas ? Attendez. Non, ils ont droit encore à un gas. Ouais, mais à nous quand même. Qu'est-ce que tu pourrais ne pas mettre avec Bang ? En fait, on peut se. À peu près tout, en fait. Mais non ! Et là, le mot noir. Yes. Ça ferait les deux teams, enfin les deux parties de la team bleue qui perdent à cause du noir. J'avoue. Ouais. Ça se tente. Hein. Attendez, parce que on sait ce qu'ils ont les autres. Bon, dis rien Alban, mais j'espère que tu pourras affiner avec ce qu'on a éliminé déjà, mais. Parce que là, si tu nous mets travail en 3, on est mort. moi, je crois vraiment, si on brainstorm un petit peu sur. Après, non, en vrai, c'est vrai qu'on a éliminé des trucs, du coup, il y a cavalier et champion. Cavalier et champion, et puis après, T'as le droit de guider l'exat aussi, hein, pour pas que. Enfin, voilà. En fait, c'est parce que le truc du kilomètre me tente aussi un peu, c'est pour ça. Bah oui, en fait, je me dis, il y a bague. Ne faites pas ça!
Après, le Spymaster, il a dit non, alors on passe son tour et puis c'est tout. En fait, c'est son parti pour essayer d'accélérer la partie parce que je fais de ton parti. Oui, bah donc tu cliques sur le bouton fini de deviner, ça fera avancer la partie. Voilà, yes. Muguet pour travail, putain, ouais, on l'aura jamais trouvé. Ah ouais, ouais, la fête du travail. Bah oui, bien sûr, mais oui, mais on l'aurait jamais. Enfin, moi j'aurais jamais pensé. Ah putain, mais oui, on est trop cool. Maintenant que je le vois, oui, je vois le lien, mais. Et là, du coup, ça va simplifier. Allez, en deux. Allez, on croit en toi. On croit en toi, c'est win. Et c'est le 100% de la team rouge sur deux jours. Et là, c'est incroyable. Je jouerai plus à ce jeu. Mais si, juste, tu te mets dans notre équipe. Comme ça, il tu gagneras. Bien, je... Tu te mets dans leur équipe et tu ne dis rien. Comme ça, t'es sûr de gagner. Mais non. Mais il y a deux mots, imagine, ils trouvent pas un seul truc en commun. Imagine, il vient dans notre équipe et on perd parce qu'il est avec nous, tu vois. Là, ça serait la révélation. Si c'est César et champion, tu mets récompense, tu vois, parce que les Césars, c'est une récompense. Loisir. Loisir. Ok, donc c'était pas ambulance. Ah, théâtre. Théâtre, effectivement. Théâtre. Et en vrai, cavalier, ça peut marcher toujours. Avec le travail qu'on avait vu avant, cavalier, il y a des gens qui font de l'équitation pour le loisir, tu vois. Parce que sinon, on peut faire de l'avion pour le loisir, ça m'est arrivé, mais c'est un loisir très très cher. C'est pas un travail, donc. C'est pas un loisir non plus. C'est de la musique, mais. Mais... Ouais, mais c'est un peu. Ouais. Parce que là, tu vois, genre, s'il y avait eu Beethoven, voilà, c'est ça, Beethoven et théâtre, tu mets pas loisir. Donc pour moi, c'est théâtre et cavalier. Théâtre, c'est sûr. Voilà. Pour moi, cavalier, je le vois bien. Alors, tu peux sinon... être champion. Ah, on avait champion aussi pour le travail. Mais avec loisir. Et, loisir, oui, quand c'est un sport pour le loisir, hein. Tu as des championnats. Hein. Ouais, d'accord. Mais justement, c'est plus vraiment un loisir là, c'est la compétition, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu vois, je sais pas, t'aurais mis champion et théâtre. Si y avait champion et théâtre, t'aurais mis genre, tu sais pas, un personnage d'une pièce célèbre, tu vois, ou un truc. Qui fait référence à un champion et à la fois au théâtre, quoi. Truc, bah, tu vois, théâtre. Mais par exemple, ouais, non, moi je pense que cavalier c'est pas mal parce que c'est l'équitation, quoi. Après le reste, je trouve que c'est plus loin. Tu vois, pour cavalier et théâtre, en vrai, moi j'aurais mis cirque. Ouais. Parce que le cirque, c'est là qu'on fait travailler les chevaux et puis bah, si, cirque et théâtre, tu vois. Mais non, on va arrêter de trop réfléchir. Vas-y, cavalier. Yes! C'est win! C'est win! C'est la win! Encore! Ah, rien, bravo! Cool! Et le pire, c'est que j'hésitais entre Muguet et Cole pour au bifomètre. Moi, j'ai trouvé un mot, mais juste là, pour associer Cole et Bag. Ah bah, il est temps, tiens! Ouais, j'avais tout ring! Bah oui, mais en vrai, et ça va, c'est très oui, bien. C'est ce que j'allais dire sur Anno, t'aurais dû le mettre en deux parce que oui. Mais sinon, après, entre Col et Bag, bah il y a accessoires. Bah ouais. Ouais. Enfin, ou quelque chose par rapport au vestimentaire en fait, le Col, tu vois. Accessoires pour théâtre. Mais même. Oui, après, c'est vrai que accessoires pouvaient faire théâtre, ouais, c'est vrai. T'as raison. Et mais en vrai, t'aurais mis montagne, t'avais le col de la montagne et l'anneau qui est jeté dans la montagne pour le Seigneur des Anneaux. Mais oui! Ah putain, j'avoue! Il aurait fallu qu'il pense à la ref, mais ouais. Mais belle partie en tout cas. C'est pas grave, bravo à tous. Non mais voilà, bravo à tous. Et puis l'Exode conserve sa croûte de sel. GG à tous. L'Exode, je me ferai pardonner un jour, je te le promets. Jamais! Sur ce jeu, je te jure que je me ferai pardonner. Jamais. En tout cas, merci à tous. Allez, ciao, au revoir le chat, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Ciao tout le monde. Tchuss. Au revoir. Au revoir. Au revoir.